Donc là, il est 6h37 et on commence déjà un vlog. Voilà, donc là, aujourd'hui, je vous retrouve en sortant des cours à 5h. Et après, on part ensemble en vacances. Voilà, donc du coup, là, je viens de sortir des cours à midi, je vais manger, je retourne en cours et une fois qu'on rentre à 5h, je pars. On part. Oh, Lisa, hello. Il est quelle heure? Je crois qu'il est 10h10, hein, tu vois. Il fait froid, il fait 4 degrés, au secours. Donc, mon portable. Il est 23h22. Et du coup, maintenant, on va se coucher. Et demain matin, je sais pas ce qu'on fait, à mon avis on va être relax demain matin. Et demain après-midi, j'ai un baptême. Du coup, je vous emmène avec moi. On se retrouve demain, bonne nuit. Voilà, donc aujourd'hui on est le 2 avril, donc samedi. Et aujourd'hui, ce matin, je vais faire tranquille. Le programme d'aujourd'hui, ce matin, c'est vraiment tranquille. Je vais commencer à monter le vlog que vous êtes en train de voir pour pas prendre trop de retard. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et du coup, après, il y a le reste de la famille qui arrive. Oui, parce que là, je suis chez ma famille à Dieppe, en fait. Et après, une fois que le reste de la famille est arrivé, on mange et on part pour le baptême de mon petit cousin. Le vlog d'aujourd'hui et de demain se passe à Dieppe. À partir d'après-demain et d'après-après-demain, ça se passe à Paris. Pourquoi? Je peux enfin vous dire un truc que je vous ai dit depuis je crois mon vlog de Noël, il me semble, mais je suis pas sûr. Du coup, pourquoi je vais à Paris? Je vais à Paris parce que j'ai été invité à visiter les studios de Non Stop People. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Non Stop People, c'est la chaîne 46 de CanalSat. Voilà. Et du coup, ils m'ont invité à venir visiter les studios, etc. Donc c'est pour ça que je vais à Paris. Je vais à Paris pour visiter les studios. Si je dis NSP, c'est Non Stop People, hein, parce que moi j'ai l'habitude de dire NSP. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est tranquille. Et après, à partir de 4h30, il me semble, baptême, donc je vous emmène toute la journée avec moi. Voilà, donc je vous retrouve, il est 11h13 et devinez quoi, j'ai toujours encore rien foutu de ma matinée. Aujourd'hui on a du bol parce qu'il y a du soleil, donc du coup c'est plutôt cool parce que pour le baptême, du coup il n'y aura pas de pluie et tout, donc c'est au top. Et là il faut peut-être que je songe à me préparer et surtout à m'habiller, parce que oui, je suis encore en pyjama. Voilà, grosse flemme du samedi matin.
Voilà. Donc, je vais me préparer et on se retrouve après. J'avais fait un petit tour dehors pour voir les animaux. Ah oui, je voulais aussi vous montrer de la chambre où on est. Quand on regarde par la fenêtre, il y a genre 7 maisons. Là-bas, au fond, dans la forêt, en fait, c'est une maison abandonnée. Mais on peut pas y accéder, mais ça serait vraiment chouette qu'ils fassent une maison hantée pour Halloween là-dedans. Parce qu'à mon avis, ça fait vraiment peur. Enfin, c'est genre un espèce de manoir comme ça. Et voilà. Voilà, donc, je sors voir les animaux. Voilà. Alors, donc du coup, ma famille là, elle a 3 poneys, elle a des poules et il y a un cheval qui appartient à un de leurs. Oula! D'accord, la poule est sortie de son enclos. Oui, donc non, moi je vous donne pas de la bouffe, je vous explique direct. Non, stop, oula! Non, mais je vous explique. Alors je vous explique direct. Et toi, d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais dehors, toi? Tu m'expliques? Allez, on rentre dans l'enclos, je sais pas par où, mais on rentre. Bon. Voilà. Donc ça, c'est les poules. Après, quand on monte la petite côte, je sais pas si vous entendez, parce qu'il y a du vent. Donc quand vous montez la petite côte, là, il y a le cheval de leur ami, du coup. Et là, on a genre une trop belle vue. Il y a un château. Il y a derrière, je sais pas si vous voyez, mais il y a la mer. Et du coup, c'est vraiment trop beau. Voilà, donc là, on continue à monter. Donc là, les poules. Et là, les poneys. Lily! Ah, voilà. Il m'a entendu. Ah, voilà, ils arrivent tous. Oula, tu te calmes. Doucement. Du coup, là, il y a les poneys. Elle est où l'autre? Elle arrive. Ça, c'est le plus vieux, il me semble. Attention. Oh my god. Maintenant qu'on a vu les animaux, je vais rentrer. Et à mon avis, on va commencer à préparer à manger parce que là, il est midi, il me semble. Oui, bon, c'est bon. Bon. Bon, l'hôte, elle est rentrée maintenant? Ah non, putain, elle est toujours encore dehors. On va essayer de la faire rentrer, ça va être l'animation du vlog. Bah allez, toi tu rentres maintenant. Je sais pas par où, mais putain, mais t'es sorti par où? Oh, il se roule par terre. Voilà. Bon alors toi, mais je te dis, tu vas rentrer. Je ne rentrerai pas dans la maison tant que tu ne seras pas rentré dans la tienne. Donc il y a du soleil aujourd'hui, c'est bien. Très bien même, qu'il y ait du soleil, que ça pour le baptême, au moins on sera pas emmerdé. Que je voulais aussi vous dire, oui, là c'est notre bateau que mon père a acheté du coup et que je n'avais encore jamais vu, que j'ai découvert hier soir tard, mais je vous ai pas filmé ça parce qu'il faisait noir. Et voilà, il est où? Là, voilà notre bateau. Et on va le mettre à l'eau, je pense, bientôt. Voilà, donc je rentre et à tout de suite.
Il est 2h, on va se préparer pour aller au baptême, on est à la bourre, on vient de finir de manger. Là, le reste de la famille est arrivé. On y va, c'est parti. Bon allez, c'est parti pour le baptême. Allez, on monte en Jaguar, le One and Game. Je mets... Ouais, attends. Tant que je suis... Oh, maman. Ouais, mais il est dans le coffre. Tout à fait. Allons battre mon Jaguar. Vous avez vu ça, une pape et tout. Si j'ai pas la classe, putain. Tout Jésus. Allez, c'est parti, je vous laisse. Bon, c'est parti, on part à l'église. Go à l'église. Oh là, il y a plein de place. C'est parti, on va manger au restaurant. Donc là maintenant on va aller manger le repas du baptême, il est 19h33. Voilà, donc je vous retrouve, il est 20h10 à peu près. Je filme maintenant avec mon iPhone parce que ma caméra de vlog vient de me lâcher littéralement, il n'y a plus de batterie. Donc là pour vous parler, je me suis isolé dans un salon, comme ça. En fait, si vous voulez, dans les hôtels, enfin, il y a la réception et tout, et des fois il y a un petit salon, et après vous montez dans les chambres et tout. Et en fait, là il y a un petit salon qui donne sur la salle pour prendre le petit déjeuner le matin. Et en fait, la salle pour prendre le petit déjeuner le matin nous a été réservée pour le repas de ce soir. Voilà, donc je vais vous montrer vite fait la salle après. Et puis après, on mange.